Good morning, allez, Dan et Tus, aujourd'hui les lignes de Shvatam Ramina ben Chana Pigibet Esther, Nissim ben Ahuda, ainsi que l'Ir Fouat, Ephat Mayan Batlea et Tehila, Tzipora, Bat Talia, Tor, Shachol Israël. Si vous souhaitez des prochaines études de Mishnah, connectez 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Avodazara, Pere Gimel Mishnah Vav. Mishaya Beto Samouch le Bet Avodazara, Benafal, Asur Livnoto. Keitzad Yase, Konez Bitor Shelo Arba Amot ou Bonne. Aya Shelo Veshel Avodazara, Nidon, Mechetza al Mechetza. Avanav, Etzav, Va'afaro, Metam'in Kasheretz, Sheneemar, Shaketz te Shaketzenu. Rabbi Akiva Omer, Kanida, Sheneemar, Tizrem, Kemo Dava, Tse Tomar Lo. Manida Metame Bemasa, Af Avodazara Metame Bemasa. Mishnah, très simple, Bezat Hashem. Mishaya Beto Samouch Lebet Avodazara. Celui qui avait sa maison mitoyenne avec un temple de Avodazara. Venafal, et ensuite les murs se sont effondrés. Assur livnoto, il n'aura pas le droit de reconstruire sa maison. On parle de quoi? On parle qu'on avait initialement un juif et un goy avaient pour le moment chacun dans sa parcelle, ils étaient tous les deux voisins, en bonne entente pendant des années, tout se passait très bien, ils avaient construit chacun sa maison. Bien évidemment, lorsque je construis ma maison, mon mur devient aussi le mur du voisin. D'un point de vue Choshen Mishpat, de manière générale, on considère qu'on aura la moitié interne qui m'appartiendra, la moitié externe qui appartiendra au voisin. D'accord? C'est comme ça que ça se partage, même si c'est un seul mur. Mais en tout cas, donc maintenant, on a un mur mutuel. Pour le moment, tout va très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, le Goy a décidé de rendre sa maison à Avodazara. Un temple de Avodazara, ou elle-même la Avodazara. D'accord? Le partenaire précise elle-même la Avodazara. Je pense que comprendre pourquoi il veut dire ça, je ne vais pas entrer dans les détails. D'accord? On va rentrer pour le moment. Donc là, il s'est mis à transformer sa maison en tant que temple de Avodazara. Moi, pour le moment, tant que les maisons sont debout, j'ai le droit de continuer à vivre chez moi. Parce que ce qui était à moi, permis, il n'a aucune raison de devenir interdit à cause de ce que le gars a décidé de faire chez lui. En théorie, pour le moment, tout va très bien. Le problème commence lorsque la maison va tomber. Que là, cette fois-ci, le voisin Goy va attendre que je monte ma maison pour pouvoir lui aussi monter la sienne. Il s'avère que dans ce cas-là, je vais moi participer activement à construire une maison de Avodazara. De ce fait, je n'ai plus le droit de reconstruire la maison normalement. J'ai plus le droit de construire ma maison selon les limites initiales qu'elle avait, donc de venir moi, de construire, de monter un mur qui va pouvoir aider le voisin à construire son bête Avodazara. D'accord? Parce que j'ai pas le droit de construire un bête Avodazara. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a assez? Comment devra-t-il procéder? Il va pas rester sans maison éternellement, il a quand même une solution. Alors la Mishnah nous donne comme conseil, comme solution, Konnes betor shelo arba amot ou bonnet. Il devra faire entrer le mur d'une distance de 4 amot dans son domaine, et seulement après, il construira. C'est-à-dire, je ne pourrai plus reconstruire mon mur à la limite où il était, étant donné que là-bas, je vais me mettre à soutenir l'Avodazara. Il va falloir que je fasse rentrer mon mur 4 amot pour m'éloigner moi-même de l'Avodazara, éloigner mon mur de 4 amot. J'aurais perdu l'équivalent 4 amot. Si une amas, ça fait 48 cm jusqu'à 60 cm, selon Primnae Razonich, on va prendre 50 cm, comme ça c'est une... Donc je devrais moi faire entrer mon mur 2 mètres et commencer à construire depuis l'intérieur. Ça fait vraiment plein de superficie en moins, c'est embêtant. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne peux plus reconstruire à sa place. D'accord? Maintenant, précision très importante, le Barthénois nous dit, attention, tu fais entrer le mur à l'intérieur, mais sache que tu ne laisses pas de l'espace libre entre les deux. Parce que dans ce cas-là, tu es en train de faire que la maison de Avodazara devient plus Meshubachat. Tu es en train de la valoriser. Pourquoi? On préfère toujours avoir une belle maison distincte des autres, une maison individuelle qui n'est pas partagée avec d'autres voisins. Donc il s'avère que si tu vas aller faire entrer ton mur de 4 amot, il s'avère que maintenant tu vas donner de l'importance au Beit Avodazara, que c'est devenu une maison individuelle. Là, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Le Baal HaTanoura nous donne la solution de construire là-bas des toilettes. Des toilettes pour les petits-enfants. Pourquoi pour les petits-enfants et pas pour les grands? Parce que les grands, ils ne peuvent pas aller là-bas. À notre époque, ce sera peut-être différent. Là n'est pas le problème. Concrètement, construire des toilettes. De ce fait, on n'est pas en train de valoriser la Avodazara, bien au contraire même. Et d'un autre côté, moi, je ne suis plus en train de proposer des murs qui vont aider à l'autre à construire sa Avodazara. Ok?
Maintenant, la Mishnah nous précise en nous disant si on sait pertinemment que le mur mitoyen appartenait vraiment moitié-moitié, il était en shoot-foot, en association entre lui et moi, comme la plupart des murs de manière générale, tout mur entre deux voisins appartient forcément, quasiment toujours, aux deux personnes, moitié-moitié. Alors là, le but de la Mishnah est de m'expliquer à partir d'où je vais mesurer les 4 amotes. Je t'ai demandé d'éloigner de 2 mètres. À partir de quelle limite tu comptes les 2 mètres? Depuis le mur du voisin, la moitié, depuis le mur initial où est-ce qu'il était? Imaginez qu'on avait un mur de 1 mètre de large. C'est fréquent dans les maisons d'époque. 1 mètre de large entre moi et la maison de Avodah Zara, d'idolâtrie. Donc il y en avait 1 mètre. En théorie, alors, on m'a dit maintenant de faire entrer 2 mètres. Mais à partir d'où je compte les 2 mètres? Depuis la face interne de chez lui, donc ça va faire que je vais rentrer que 3 mètres chez moi. Depuis au contraire la face externe, donc il va falloir que je rentre 4 mètres en plus de ce mètre. Ou bien non, la Mishnah nous propose en fait la solution en nous disant « Nidon merta al merta » si on était tous les deux associés dedans. On considère que le mur appartenait à nous deux, donc le mètre, il était moitié à moi, moitié à toi, de ce fait depuis le milieu du mur, donc 50 cm, je compte là-bas 3,5 mètres, et là, je construis mon nouveau mur, parce que ça m'aura fait une distance de 4,5 mètres depuis la propriété de la Avodah Zara. C'était clair? Baruch HaShem, on continue. Avanav etzav va'afaro metam'in kasheretz. Sache maintenant que les pierres, les bois et la terre. Donc, lorsque le mur s'est effondré, on a récupéré plein de matières premières. On a récupéré des pierres, elles ne se sont pas toutes fracassées. On a récupéré des bois, de la terre, du sable, du ciment, du mortier. On a récupéré plein de choses. En théorie, on devrait se les partager ensemble, faire moitié pour moi, moitié pour le voisin. Moi, je récupère ma moitié et je vais les construire depuis mon intérieur. Le problème, il est que, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui appartenait à qui initialement, même si je dois me partager avec la Avodah Zara, là, j'ai un problème, je ne peux plus en tirer profit. De ce fait, la Mishnah m'enseigne, sache que maintenant, ces mêmes pierres-là, ce bois et cette terre vont être metam in kasheretz. Ils vont véhiculer une touma autant qu'un reptile. Les shratzim, les reptiles, qui ont une touma spéciale, qui est une touma relativement moindre, qu'ils n'impurifient la personne que lorsqu'ils la touchent, mais pas lorsqu'ils vont le déplacer, par exemple. Il n'y a pas de touma eset. D'accord? C'est le niveau avatouma, mais. Il y a plusieurs sortes de Havatouma, comme ce qu'on va voir par exemple une femme Nida, une femme qui a ses règles par exemple, elle est aussi impure, mais là elle a une grave Touma. Même si elle est Havatouma, elle a une Touma que si par exemple on va la déplacer alors qu'on la tourne même pas en contact direct, on va la bouger, elle va nous déplacer même. Imaginez, il y a plusieurs cas de figure, je suis sur un lit et puis elle va se mettre à pousser le lit. Elle ne va pas toucher directement. Bien, puisqu'elle m'aura déplacé, alors là il y aura USET, elle va me rendre tamé par exemple. Chose que le Sheretz ne fait pas, que si moi je vais déplacer un Sheretz avec un bâton, par exemple, je ne deviens pas tamé. D'accord? Donc c'est en ça que la Mishnah nous enseigne, sache que la Avodah Zara aura un statut de Touma comme celui du Sheretz, des reptiles. D'où on déduit ça? Chez Neymar, comme nous dit le verset, « Shaketz te shaketzenu »« Répugné, tu le répugneras » et « Shaketz et Sheretz, c'est la même chose »« Shaketz, tu le répugneras comme un Sheretz » Le mot Sheretz, il est assez aléatoire. En général, Sheretz, c'est tout ce qui est rampant. Hein. Ça s'appelle qu'il est ou Shoretz à l'aretz. Mais malgré tout, là, il est utilisé dans le sens de répugnant. Donc, Shaketz, c'était Shaketz, c'est nous, c'est comme Sheretz. Et voilà. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça, donc, que ça aura un statut comme le Sheretz, donc comme les reptiles. D'accord? Bien sûr, la Touma de la Avodah Zara n'est que Midera Banan. Elle n'est pas Midoraita, elle n'est que Midrabanan, et puisqu'elle n'est que Midrabanan, Chachamim m'ont dit bien que c'est une grave transgression, malgré tout, on ne va pas lui donner la Touma grave, mais uniquement la Touma du Sheretz. Excusez-moi. Rabbi Akiva Omer, Kanida. Selon Rabbi Akiva nous dit non, comme une Nida, comme une femme qui a ses règles. Et d'où il déduit ça, Rabbi Akiva, chez Nehemar, comme le verset nous dit, un passage dans Ishaïa, où il nous dit là-bas de jeter toute la Avodah Zara qu'on avait en nous, en nous disant « Tizrem kemo davar tse tomarlo » Disperse-le, disperse-les. Ouais, mais la chambre Zoré, comme il y a la Melachat Shabbat Zoré, dispersé au vent, vané. Donc « Tizrem kemo davar » Jette-les comme quelque chose de répugnant. On va expliquer que la davar, en l'occurrence, c'est une Nida cette fois-ci. « Tse tomarlo » Dégage,
Sors, tu lui dis lui à la Vodazara, donc chasse la Vodazara de ta propriété. Et le mot dava, ça veut dire répugnant, mais ça fait aussi allusion à la nida, hein, qui est isha dava. Ouais, zova, zov, dama. Là-bas, des fois, on utilise la traduction de zov, quelque chose qui coule, se traduit aussi dava, quelque chose qui est donc qui coule en araméen. Et là, donc là, le rapport avec le mot dava, ça fait allusion à la femme nida. La Torah nous a dit, éjecte de ton domaine la Vodazara parce qu'elle véhicule une touma comme une femme nida. Et de ce fait, Manida metam abemasa, au même titre que la nida, la femme qui a ses règles, qui est menstruée, elle est metama bemasa, elle véhicule sa touma en transportant les choses, en les déplaçant uniquement, en les levant. Masa, ça veut dire lever. Ça signifie que si je suis, ouais, la Gemara rapporte par exemple, si je suis moi sur un plateau d'une balance, et une femme plus grosse que moi, qui est Nida, qui monte de l'autre côté de la balance, donc elle va me soulever de la sorte, et bien elle va me véhiculer l'impureté parce qu'elle est en train de me déplacer. D'accord ? Donc, elle est metama bemasa, af avodazara, au même titre, la avodazara, alors metam a bemasa, elle véhicule la touma avec, en déplaçant comme la Nida, même en déplaçant les choses. D'accord ? Une autre précision encore importante, donc on a finalement une discussion sur le degré de touma de la Avodazara, qui n'est que Midera Banan, tous les psukim qu'on rapporte, ça s'appelle des Asmartot, c'est des déductions pas forcées des mots, des psukim, mais c'est juste Rachamim ont fait un décret et ont voulu renforcer leur décret en disant que le versant faisait allusion. On a donc Rachamim qui considère que c'est comme un Sheretz, et ça implique, c'est même pas comme un Sheretz, selon Rachamim, c'est même moins qu'un Sheretz. Parce que le Sheretz, il y a deux choses. Il y a le niveau d'impureté qu'il véhicule et il y a la quantité requise pour rendre impur. Un Sheretz, dès qu'il aura une taille de Ka'adacha, comme une taille d'une lentille, alors ça véhicule déjà l'impureté. Tandis que l'Avodazara, il faudra nécessairement un Kazaït pour pouvoir véhiculer une Touma à un niveau de Touma de Sheretz. Et selon Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva, lui, il est plus marmire sur l'Avodazara, il la considère qu'elle a un statut comme la Nida, donc elle va rendre impure. Même lorsqu'on va la déplacer, il ne précise pas la taille, la quantité requise. Et voilà, ça c'est l'avis de Rabbi Akiva. La halakha, elle n'est pas établie comme Rabbi Akiva, mais plutôt comme Tanakama, donc, qui va nous dire que Sheretz, un Kazaït, pour rendre une Touma comme un Sheretz, quoi qu'il arrive, ce sera interdit d'en profiter, donc on ne pourra pas l'utiliser pour reconstruire sa propre maison, il faudra amener d'autres pièces. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Sahara, comme tout ça.